Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd hors série. Focus, c'est le deuxième qu'on fait juste après Titanic, qu'on avait fait il y a 3 mois de cela. Cette fois-ci, comme vous avez pu le voir par le titre, on va vous parler du film de Tim Burton, Edouard aux mains d'argent. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi, la personne qui est avec moi plutôt. Du coup, moi, je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, et je suis accompagné de mon fidèle co-hôte, qui est Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. Ben, du coup, on a déjà parlé un peu en dehors de l'enregistrement, mais on enregistre entre Noël et Nouvel An. Du coup, voilà, je voulais juste savoir si tu avais passé de bonnes fêtes. Oui, très bien, impeccable. Ok, ben nickel. Ouais. Ben, je me plains pas. Ok, bah super. Je voulais juste rappeler, protégez-vous, protégez vos proches. Oui. Surtout en cette période. Bien sûr. Donc voilà. On aime bien le rappeler quand même, même si c'est un podcast de divertissement avant tout. Ouais. C'est bien de le rappeler quand même. On l'a jamais trop entendu, voilà. C'est sûr. Du coup, comme je l'ai dit juste avant, on va vous parler du film Edouard aux mains d'argent de Tim Burton, sorti en 90. Du coup, on va faire comme un peu comme le dernier numéro qui était centré sur Titanic. On va d'abord vous parler de comment on a découvert le film. Puis après, on va discuter de celui-ci. Je vous rappelle que durant ces émissions, comme pour les hors-série saga, on va spoiler le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, il est disponible sur Disney+. On fait pas de la promo gratuite pour Disney+, mais voilà. Si vous l'avez, allez-y. Il est disponible là-bas. On va commencer tout de suite C'est une lacune à combler. Hein. Oui, c'est sûr, mais j'en parlerai juste après, là. Mais je l'ai découvert plutôt tard, on va dire. Voilà. Et moi aussi, je vais juste préciser que les hors-séries sur les films... Alors, ça ne va pas être que les films qui sont présents dans mon top 10. Hein. Dans mon top 10 ultime de tous les temps. C'est vrai que Titanic en faisait partie, et celui-là aussi, mais... C'est un concours de circonstances. On n'a pas prévu de faire tout mon... Si, on va faire tout le tien et après on va faire tout le mien. c'est un concours de circonstances. En fait, on s'est dit qu'on va parler de ce film parce que, en plus, moi je venais de le revoir. Enfin, j'avais compté le revoir pour Noël, comme c'est un film un peu de Noël, j'ai envie de dire. Il y a une partie du film qui se passe à Noël. Je me suis dit ça serait un bon film à traiter pour le Movies Nerd hors série Focus de fin d'année, puisqu'on n'en a pas fait depuis Titanic. C'est une coïncidence que ce soit un des films préférés d'Eddy, mais ça tombe bien puisque comme ça tu vas pouvoir nous en dire tout le bien que tu en penses. Mais oui, je vais pas me priver. Ah oui, bah ça, j'en doute pas. je vais commencer en disant comment j'ai découvert le film. Comme ça, tu pourras raconter comment tu l'as découvert de ton côté aussi après. Mm-hmm. Ça va être plutôt rapide. J'ai juste une histoire assez amusante, c'est quand j'étais petit, du coup, ma mère faisait le ménage chez des personnes, et parfois, le midi, j'allais manger chez ces personnes avec ma mère. Il se trouve que ces personnes avaient une grosse collection de cassettes vidéo. Parfois, je regardais un peu, j'avais pas le droit de les regarder, mais je regardais ce qu'ils avaient, parce que ça me passionnait, ça m'intéressait beaucoup. J'avais l'impression d'être dans un vidéoclub. Un autre endroit que j'adorais et qui a disparu. je glanais un peu dans les allées et puis d'un coup je tombe sur cette tranche, il y avait marqué Edouard aux mains d'argent. Ça m'a attiré, je sais pas pourquoi, et j'ai regardé la pochette de la cassette et j'ai vu cette image et elle m'est restée gravée en tête et ça m'a
honnêtement, ça m'a un peu traumatisé. Je devais avoir 6-7 ans. Et l'image de Edouard qui est tout en cuir avec des énormes ciseaux pour main, quoi, ça m'a. En fait, ça me fascinait et en même temps, ça me traumatisait. Je ne pouvais pas enlever mes yeux de cette pochette, mais il y avait un truc qui était attirant, mais en même temps repoussant. Et je me disais, ah ouais, mais ce film, il doit faire peur, ça doit pas être pour moi. Mais je le regardais pendant des. Je regardais juste la pochette, hein, pendant des heures, je regardais derrière ce que ça racontait. Et au final, bah, j'ai pas vu ce film jusqu'à mes. Je crois que je l'ai vu il y a 2 ans. Je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans. Voilà. Ah oui, non, je l'ai vu il y a plus longtemps quand même. Voilà. Mais du coup, je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans avec ma copine parce qu'elle a dit, ah ouais, mais ce film, je l'aime beaucoup, faudrait qu'on le regarde. Et du coup, bah, je me suis dit, ah ouais, bah, c'est vrai, il était temps que je comble cette lacune parce que je voulais. Enfin, depuis, j'avais pas été traumatisé depuis mes 6 ans jusqu'à mes. Mais enfui au fond de moi, il y avait cette image. Et à chaque fois que je retournais chez eux, je regardais de nouveau la pochette. Et je me disais, ah ouais, ce film, il est vraiment pas pour moi. Ça doit être un film d'horreur ou quelque chose. Parce que il me faisait peur, en fait. Il me faisait vraiment peur, mais en même temps, il me fascinait. Donc voilà. C'était une petite histoire rigolote Mais moi, c'est sur pareil, c'est ça. un film que je fais découvrir, en fait. Ouais, mais justement, parce que tu vois, tu peux. En fait, je trouve que la pochette donnait peut-être une mauvaise impression pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Tu vois, moi enfin, j'avais vu aucun film de Tim Burton à cette époque. Donc, du coup, je connaissais pas l'univers du monsieur ni rien. Donc, c'est sûr que enfin, quand t'es habitué à voir des films Disney ou des films mignons et tout ça, et puis d'un coup tu tombes sur Edouard aux mains d'argent, ça te change un peu d'univers. Mais en même temps, c'est justement, je pense que si tu passes cette première appréhension, et on va en parler du film, mais justement, c'est de ça dont le film parle. Au final, le film raconte beaucoup plus que ce que la pochette ou la première impression te fait croire. Voilà. Du coup, Eddie, comment as-tu découvert ce film? Moi, je l'ai découvert. Bah, en fait, je l'ai découvert quand je me suis. Non, alors, c'est un film dont on m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Ouais. Et à l'époque, j'avais une amie avec qui je ne suis pas fâché, mais c'est qu'on s'est perdu de vue. Et qui était très, très fan de Tim Burton. Je lui disais, ben, moi, c'est vrai que j'aime bien Tim Burton aussi. Et on parlait un peu des films qu'on avait vus. Ouais. Et du coup, elle me dit, elle me fait, t'as pas vu Edouard aux mains d'argent? Mais elle me fait, c'est la base chez Tim Burton, il faut le voir absolument. Et du coup, bah, je dis, ouais, c'est vrai que je l'ai pas vu. Et en fait, je l'avais carrément acheté. Je l'avais carrément acheté, je l'avais D'accord. trouvé à pas très cher dans un espace culturel. Et d'ailleurs, c'est toujours le DVD que j'ai et qui aujourd'hui n'a vraiment N'a plus une, enfin, n'est plus vraiment regardable Ouais, sur une sur une grosse télévision télé récente. 4K, ouais. Mais du coup, je l'ai découvert comme ça et j'en suis tombé amoureux instantanément, en fait. J'ai trouvé que c'était parfait. Qu'il y avait des, il y a des, bien sûr, c'est, alors quand je dis parfait, c'est, le film a des défauts, il y a des petits trucs, enfin, c'est, il y a Ouais, il y a des certaines trucs. facilités, mais je veux dire, le Oui. film a une poésie et à quelque chose comme ça d'assez intemporel. Sincérité. C'est ça. Une sincérité incroyable qui Ouais. sort de l'écran. Bah, puis du coup, c'est que moi j'avais vu des films de Tim Burton, mais des films aussi personnels, non. Voilà. Je suis Donc du totalement coup, d'accord. c'est vraiment un film que j'ai découvert comme ça. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mes films de chevet. Tu l'as vu un bon nombre de fois, j'imagine. Ben, comparé à Titanic, non, parce que Titanic, je l'ai vraiment découvert tout petit. Ouais. Celui-là, j'ai dû le voir, je sais pas, 5-6 fois. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est pas non plus. Oui, c'est pas. Mais ouais, mais ça suffit, enfin, Ouais. pour déterminer que c'est un film que tu aimes Bah, et puis tu aimeras. c'est un Ouais. film qui a un univers très marqué, donc on le retient Ouais, bien aussi. c'est ça, exactement. Oui, totalement. Ok, très bien. Eh ben, on va passer au film directement. Du coup, je rappelle juste que c'est un film de Tim Burton, comme on vient de le dire, mais c'est un scénario de Caroline Thompson, d'après une histoire de Tim Burton et Caroline Thompson. Caroline Thompson, c'était son premier scénario
elle avait juste écrit un livre dont je n'ai plus le titre là, exactement, mais qui parlait d'un fœtus qui devait s'adapter à la vie en société. Enfin, c'était un truc assez fantasmagorique, un peu comme ça, que Tim Burton avait adoré et qui du coup il lui a confié le scénario, son premier scénario sur Édouard Main d'Argent. Tim Burton, on le rappelle, en 90, il a sorti juste Batman en 89, donc c'est un peu le roi du monde au niveau des studios, parce que ça ramène un fric énorme. Il avait sorti Beetlejuice 2 ans auparavant, il me semble, en 88, si je me trompe pas. De toute façon, il avait fait... il avait fait Beetlejuice. Il avait fait Pee-wee, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié. Et après, il avait dû faire Batman, mais Batman le défi, est-ce qu'il était sorti Non, il est sorti juste après, après Edward, donc en 92. Ouais. Il a fait un film entre temps. Oui, je viens de revérifier du coup Wikipédia. Donc, il avait fait Beetlejuice en 88, Batman en 89, et après Édouard aux mains d'argent en 90. Donc voilà. La musique est de Danny Elfman, on va en parler après. Du coup, au casting, on retrouve Johnny Depp, Winona Ryder, Diana Weist, j'ai toujours un peu de mal avec son prénom, Anthony Michael Hall, Alan Arkin, Kathy Baker, Robert Oliveri, Vincent Price, Olan Jones et Dick Clinton Williams. De Vincent Price. Hein. Ouais. Mais qui est un acteur iconique et que Burton adorait. Oui. D'ailleurs, c'était la voix off de Vincent. Oui, voilà. C'est vrai qu'il avait commencé, il avait commencé sa collaboration avec Tim Burton sur ce court-métrage. D'ailleurs, Vincent Price, vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez au moins sa voix, puisque c'était le rire et le passage parlé de la chanson Thriller de Michael Jackson. Ouais. Et pour les fans Disney, c'est aussi la... Alors en France, en tout cas, c'est la version anglaise du narrateur dans Phantom Manor. Oui, ouais, justement. Ouais, et puis, donc, je sais pas si c'est toujours le cas avec la réhabilitation de Phantom Manor, mais c'était sa voix. Ouais, et d'ailleurs, ouais. Je crois que cette version de Phantom Manor traîne sur YouTube, donc vous pouvez l'écouter en anglais. Ah, ok, d'accord. Avec la voix de Vincent Price. Qui a une voix très spécifique. Hein. Ouais, mais qui colle super bien à ces univers un peu sombres. Justement. Et poétiques comme ça. Ouais, exactement. Non, vraiment très. Et puis, un très beau rôle, un très beau dernier rôle. Franchement, c'est. Pour un acteur aussi iconique, c'était vraiment. Il a pas fait un dernier film raté, quoi. Non, pas du tout. Il est parti avec un beau film à la fin. On va parler un peu au fur et à mesure de l'histoire du film. Tout commence en fait sur une grand-mère qui raconte une histoire à sa petite fille quand elle va se coucher pour lui expliquer d'où vient la neige qui tombe sur la ville. Cette histoire du coup commence avec un jeune homme qui s'appelle Edward, qui est interprété par Johnny Depp. On en reparlera aussi de son jeu d'acteur sur le film, qui est créé par un inventeur qui est Vincent Price, qui vit tout seul dans un château qui est perché sur une colline et qui fait un peu énormément tâche par rapport à la banlieue. Alors je sais pas si on donne le nom de la ville dans laquelle ils sont, ou alors c'est vraiment... il me semble pas qu'il donne le nom de la ville. Je crois pas, non. Non, mais c'est vraiment la banlieue typique des années 50, années 60, 70. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le rêve de la famille nucléaire aux États-Unis. C'est exactement ça. Voilà. C'est et avec cette montagne dans le fond qui dénote, mais qui est là pour montrer la singularité de l'inventeur et aussi de sa création qui est Edward. Parce que dans cette montagne défie toutes les lois de la géologie. Hein. Elle a rien elle n'a rien à faire là. Totalement. Mais ce que j'adore, c'est au début du film, on voit... il y a une espèce de travelling
qui essaye de faire un peu hélicoptère, enfin un peu comment dire, un plan d'hélicoptère, mais ouais. On voit que c'est des maquettes. Ouais, comme sur Beetlejuice. Voilà, comme sur Beetlejuice, comme sur Ed Wood, il fait aussi ça sur Ed Wood. Il fait ça dans beaucoup de films, début de film. Mais ça rend super bien justement et j'aime trop l'esthétique qu'il donne à son film avec ces plans-là de maquettes. Et puis il n'hésite pas à utiliser des maquettes, bien que le quartier qui est représenté avec des couleurs très très vives, qui rappellent justement ces banlieues américaines dans les années 50-60, et très symétrique aussi, très ordonné. Il y a pas un petit peu d'herbe qui est jaune ou quelque chose, hein. C'est vraiment coupé au centimètre près. C'est très symétrique, très ritualisé, même dans le quotidien des habitants. C'est exact. Ouais, exactement. Et les maris vont tous à la même heure au travail. Ouais. Les épouses ont toutes le même quotidien entre le même emploi du arroser temps, la pelouse, ouais. Sortir le chien. Ouais, exactement. Voilà. Mais c'est vraiment, enfin, c'est la caricature entre guillemets. Ah oui, parce que c'est totalement assumé. Ouais, c'est totalement assumé. Et c'est justement c'est intéressant de voir le contraste justement qui l'apporte. Est-ce que Edward va justement apporter en contraste à toutes les personnes qui peuple cette banlieue résidentielle, qui a un air tranquille. Et en fait, j'avais lu une phrase que j'aimais bien de Burton, qui expliquait pourquoi avoir choisi une banlieue comme celle-ci, et que ça lui rappelait son enfance à Burbank, il me semble. Burbank, ouais. Ouais. Et que tout le monde paraît gentil au premier abord, mais que au fond il y a plein de choses qui sont des non-dits, des et justement je trouve le film là-dessus très intéressant. Donc du coup, pour revenir à l'histoire au tout début, l'inventeur meurt dans ce château et il n'a pas pu finir son œuvre, donc qui est Edward. Et du coup, il lui laisse, avec Edward avec des ciseaux aux lames extrêmement acérées à la place des mains. Et du coup, il vit dans ce sinistre château jusqu'au jour où une femme du nom de Peg Boggs, qui est représentante en cosmétique Avon, qui est une vraie marque, j'ai appris ça. Je connaissais pas du tout. Et du coup, elle est représentante en cosmétique, elle fait du porte-à-porte, on la voit au tout début du film faire du porte-à-porte avec, dans son même quartier, avec les mêmes personnes, et les gens en ont un peu marre qu'elle passe tout le temps parce que personne ne lui achète rien, quoi. Ou alors tout le monde a déjà acheté ce qu'il fallait, donc il n'y a plus besoin d'en acheter. Du coup, elle va découvrir ce château, et elle est poussée par la curiosité, et elle se présente à sa porte, et elle voit que Edward est un jeune homme timide et inoffensif, et du coup elle décide de le ramener dans son foyer au sein de cette banlieue résidentielle. Voilà. J'aime bien aussi le passage où elle découvre le château. Tu sens toute l'inspiration de Tim Burton des films de monstres de Universal. Moi, je pense il y a une grosse partie Frankenstein, bien pardon. Sûr. On pense tout de suite à Frankenstein. On pense aussi à la découverte du manoir de Dracula. Dans la manière dont même elle passe les portes ou elle monte les escaliers, c'est quasiment un film muet à ce moment-là, parce que elle dit juste quelques phrases, quoi, ça, et c'est très baroque, c'est très contemplatif. Ça me fait penser à Nosferatu de Murnau aussi. Ouais, totalement l'expressionnisme allemand. Oh, punaise. au néo-expressionnisme allemand, pardon. C'est ça. Tout le décorum et tout est sublime aussi. Les décors sont vraiment extraordinaires, je trouve, dans ce film. Tu sens le détail
de chaque objet, chaque mur, chaque. Enfin, il y a aucune chose qui est laissée au hasard. Il contrôle tout, tout dans son cadre. De toute Et façon, c'est ça qui. c'est un cinéaste visuel, donc Ouais, juste. lui, lui ses personnages existent par ce qu'ils sont, mais aussi par les décors. Ouais, parce qu'il les entoure justement. Ouais, totalement, totalement. Ben ça, c'est la pure idée de l'expressionnisme, justement. Oui, totalement. Et il le représente bien, juste, enfin, dans cette scène, et pas que, mais cette scène est un peu caractéristique de ça, quoi. Donc ouais, vraiment, moi, j'aime tout ce début de film. Je l'aime beaucoup, le fait de présenter les personnages. On voit déjà les petites habitudes, les petits, enfin, comment dire, les petits traits de caractère de chaque personne. On voit là. Je sais plus comment elle s'appelle, une des voisines, qui est Joyce, voilà, je crois, qui est interprétée par Kathy Baker, qui fait venir un homme de maintenance pour réparer son lave-vaisselle. Ouais, le plombier, ouais. Ouais, le plombier, ouais, Bah, et le ouais. fameux, oui, alors ça c'est rigolo parce que c'est vraiment le fantasme du plombier. Ouais. C'est, je crois que c'est le pitch que tu retrouves dans. Enfin, ouais, c'est le pitch qu'on a le plus vu dans les films de cul, je pense. Ouais, non, c'est clair. Mais Ça, c'est justement, sûr. et Tim Burton, il joue de ça, Bah oui. il en fait une blague, quoi. Et ça fonctionne vraiment bien, le fait qu'elle s'agace parce que Peg, du coup, elle vient pour lui vendre des produits cosmétiques qu'elle est déjà venue lui vendre sûrement la veille ou le jour d'avant. Donc, franchement, ouais, voilà, toutes ces petites scènes pour comment dire, présenter les personnages. Et montrer enfin, leur personnalité, ça fonctionne super bien. Et il arrive vraiment bien à les mettre en scène. Il y a une sorte de. Comment dire, quand on voit ce quartier et on voit ces personnages, on a l'impression. Enfin, moi, j'ai une impression de claustrophobie énorme. Et je pense que c'est vraiment voulu, quoi. T'as l'impression que ces personnages, ils peuvent pas s'échapper de ce petit quartier. Ils sont vraiment contraints là-dedans. Et ils sortent jamais, quoi. Ils ne Oui. sortent jamais. Et c'est ce qui est voulu, hein. Même par les décors, par le fait que les maisons sont peintes d'une certaine couleur, et les motifs se répètent. Comme on l'a dit, c'est très symétrique, etc. Ça rend vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup justement tout cet aspect des décors et l'aspect visuel du film. Je trouve qu'il est très travaillé. Et ça rend vraiment super bien. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait. Je pense on va pouvoir passer à la suite du coup du film. Du coup, enfin, Edward rencontre la famille de Peg, son mari Bill, Alan Arkin, et leur fils Kevin, qui est interprété par Robert Oliveri. D'ailleurs, ça ramène à des scènes super super drôles, par exemple la scène du dîner. Moi, j'aime beaucoup. Oui. La scène où, pour la première fois, Edward va essayer de manger avec ses mains en forme de ciseaux, et en même temps, il va en faire un atout pour certaines choses. Oui. Ils Et vont bien lui faire comprendre qu'il a quand même enfin, que sa particularité ben, il faut voir ça comme une sorte de don, en fait. ouais. Au final, Edward va devenir le nouveau centre d'intérêt du quartier. Ah oui, C'est clairement, oui. ouais. Là, ça va être l'attraction pour tous les. D'ailleurs, les voisines qui sont déjà au courant que quelque chose se trame chez Peg vont la harceler de messages téléphoniques, ou alors vont pas arrêter de. En fait, elles vont se rejoindre à un endroit, et elles vont toutes regarder la maison pendant des heures en Oui. discutant, en espérant peut-être apercevoir ce qui se passe à l'intérieur. Et cette scène est très drôle. D'ailleurs, le film en lui-même, il a vraiment des passages comiques qui fonctionnent encore super bien aujourd'hui, je trouve. Ah oui, complètement. Ouais, c'est honnêtement, ça fait, enfin, comment dire, ça fait partie des, comment dire, le film est aussi une bonne comédie, je trouve, justement, pas que par le fait qu'Edward doit s'habituer à cette Bah, c'est que nouvelle vie. c'est une satire aussi, finalement. Ouais. Exactement. C'est une grosse caricature
de cette vie de banlieue un peu ennuyeuse où Edouard est vraiment pas à sa place. Et au début, on célèbre le fait qu'il n'est pas à sa place, mais au final, on lui fait sentir aussi qu'il n'est pas un des leurs, quoi. Et que dès que quelque chose va l'incriminer, par exemple, ce qui va se passer plus tard, c'est qu'il va se faire piéger, en fait. On va lui faire porter le chapeau pour... être rentré illégalement chez, par effraction je veux dire, chez quelqu'un, alors que c'est pas lui qui voulait le faire à la base, et du coup tout le quartier se retourne contre lui au final, donc ouais c'est assez intéressant de voir cet aspect là aussi de la chose. Je suis d'accord, ouais. écoute, ouais, après, de toute façon, on parlera de futures scènes plus tard, mais on va parler plus généralement du film. Toi, du coup, qu'est-ce que tu... Comment dire, quand tu penses à ce film, tu penses à quoi en premier? Johnny Depp. Ouais. Oui, le jeu d'acteur. Parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le film, c'est l'imaginaire de Tim Burton, mais aussi parce que c'est avec Johnny Depp. Et je pense que c'est, enfin, ça marque vraiment bien le début de leur collaboration. Alors il y a plein de mauvaises langues qui diront que c'était le seul bon film qu'ils ont fait ensemble. Oh non, c'est pas vrai. Ce qui est pas vrai, je pense pas. Enfin, ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ouais, non, mais il y en a au moins trois autres qui sont déjà excellents avec lui. Et au minimum. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Et Sleepy Hollow. Ed Wood. Et Sleepy Hollow, Ed Wood. Moi, après, même je reste. Charlie et la chocolaterie. Je reste un défenseur de Charlie et la chocolaterie. Bon, moi, je l'ai pas revu depuis très longtemps, hein, donc je peux pas le défendre pour l'instant. Mais même dans des films, plus récents, hein, Dark Shadows, pour l'avoir revu il y a pas très longtemps. Enfin, l'avoir revu en 2-2, je me suis pas posé devant, mais il passait à la télé. C'est un film pareil qui a une esthétique assez marquée et qui est pas si mal que ça, hein. Après, c'est sûr, c'est pas comme ce qu'il a pu faire avant, mais ouais, il y a toujours un ça... y a... Bah, je pense que c'est Dark que Shadow, style c'est Burton plus... a lassé, en fait. Ouais. Il s'est pas beaucoup renouvelé dernièrement, mais en soi, si on prend le film pour ce qu'il est, c'est du pur Burton, donc Donc voilà, mais tout ça pour dire que oui, Edouard, c'est Johnny Depp et Tim Burton. C'est ce qui me vient en premier, en tout cas. C'est le début de leur collaboration. Hein. Parce que faut rappeler que Johnny Depp, à l'époque, c'était juste un acteur de série télé, donc dans 21 Jump Street. Ouais. Il avait eu des petits rôles comme celui dans Freddy Krueger, j'ai plus le titre en français. Ouais, dans le premier Freddy, il joue le petit ami de l'héroïne principale, pardon. C'est pas un rôle un grand rôle, mais voilà. Et il jouait dans d'autres films aussi, mais c'était principalement un acteur de série télé, quoi. Mais Winona Ryder, du coup, qui joue Kim Boggs dans ce film, qui est la fille de Peg, et dont Edouard va tomber amoureux. Winona Ryder, à l'époque, était en couple avec Johnny Depp. Winona Ryder avait joué dans Beetlejuice avec Tim Burton. C'est ça. Elle, c'était pas son premier essai avec Tim Burton. Non, justement. Justement, du coup, et en plus, elle a, dans ce film, elle joue aussi. Elle a aussi le maquillage quand elle est. Quand c'est une grand-mère, la grand-mère qui raconte l'histoire à la petite fille. D'ailleurs, ça faisait beaucoup rire Tim Burton de l'habiller avec une perruque blonde et des tenues de cheerleader, parce que c'était clairement pas le style de Winona Ryder à l'époque. Ah, pas du tout. Comment elle s'identifiait à l'époque, quoi. Donc c'est Winona Ryder qui a
en partie qui a ramené Johnny Depp sur le projet. Et du coup, bah, c'est grâce à ce film qu'on a eu cette collaboration qui est qui pour le enfin voilà qui a eu de ses hauts et ses bas selon certains, mais qui fonctionnait toujours très bien quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je voulais aussi du coup parler un petit peu de la musique de Danny Elfman qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Je lisais aussi que il s'était inspiré de Tchaïkovski, pardon, et du principalement Casse-Noisette. Ben ça se sent. Oui. Dans le fait que ce soit très aérien, très il y a beaucoup de voix féminines dans les musiques, pardon. C'est très enneigé, on va dire, comme oui, thème. Ce sont des sons très très cristallins. Ouais, voilà, c'est ça exactement. C'est ce que je cherchais comme mot. Mais ouais, et ça va super bien au film, quoi. Elle est tout en subtilité. Et voilà, Danny Elfman, il est à son paroxysme là sur cette bande originale qui accompagne à merveille le film, quoi. Et qui rend dans des. Enfin, moi j'adore Ice Dance, c'est peut-être mon morceau préféré. Aussi la scène. La scène, elle est sublime. Où il taille dans de la glace pour. Et qui, en taillant dans de la glace, pardon, il forme des flocons. Il sculpte de glace, ouais. Ouais, ouais. Il sculpte magnifiquement. D'ailleurs, c'est pas la seule chose sur laquelle il sculpte. C'est, il commence en sculptant des taupières. Ouais, 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 justement. Et il en fait des magnifiques. ça amène tout un enchaînement de petits jobs pour Edward dans cette vie de banlieue, en commençant par tailler des haies, puis après il coupe. Il commence par couper les poils des chiens pour faire des c'est ça. Il devient toiletteur canin. Ouais, toiletteur, mais extravagant. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais il fait vraiment des coupes extravagantes, pour les chiens ou pour les. Bah, ça c'est toute l'extravagance de Tim Burton pour le coup. Ouais, ouais, justement, même la coupe d'Edouard, hein, elle est très. Elle est très burtonienne. Si on peut parler de coupe, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, mais ça fait très, enfin, elle est très burtonienne, quoi, comme coupe, mais ouais, c'est tout cet aspect-là où il va se retrouver de petit job en petit job, et en plus le fait que le père, du coup, lui dise, mais tu prends de l'argent ou pas, enfin, et en fait que lui, il avait même pas. Enfin, il faisait ça pour son propre plaisir. Il fait pas ça pour l'argent, quoi. En fait, c'est ce qui est touchant dans le personnage d'Edouard, ouais. C'est que lui, c'est presque un ermite finalement. Il est complètement. Il est naïf. Il a toujours été très proche pourtant de la civilisation parce qu'il habite juste à côté de. Oui. Il habite juste à côté d'un endroit qui symbolise toute la civilisation moderne. Capitaliste, il faut réussir à avoir son petit pavillon en banlieue, tout l'idéal, un peu le rêve américain. Enfin, en tout cas le self-made man. Ouais, voilà, exactement. Avec voilà, j'ai réussi, j'ai un emploi, j'ai une maison, j'ai une famille, tout va bien. J'ai la même maison que tout le monde, mais c'est pas grave. Oui, je suis comme tout le monde et c'est le plus important. Et en fait, Edouard, lui, c'est l'antithèse de tout ça. Et lui, lui, il travaille. Enfin, il a pas la notion, le concept de travail. Finalement, il l'a même pas, en fait. Ah oui, totalement. Ouais. Bah, de toute façon, c'est ce qui rend touchant. Ouais, c'est ce qui le rend très touchant. C'est sa naïveté, en fait. C'est le fait et c'est ce que j'adore dans ce. Enfin, moi, ce que je préfère justement dans ce film, et c'est la chose quand je pense à Edouard Mains d'Argent, c'est la chose à laquelle je pense en premier, c'est justement cette candeur
du personnage d'Edward, donc insufflé par le jeu de Johnny Depp, qui rend extrêmement bien l'écran et qui est une des plus pures, une des plus sincères que j'ai pu voir à l'écran. C'est ça. Honnêtement, c'est, et je disais justement qu'il avait regardé beaucoup de films de Charlie Chaplin pour savoir jouer sans dire de mots, juste avec des regards, avec des expressions de visage, cette sorte de naïveté, et ça se ressent énormément. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas forcément hyper juste pourtant. Ouais. Ça peut paraître très marqué, très, très surjoué et tout, oui. Mais le personnage est écrit comme ça, et l'imaginaire de Tim Burton est comme ça. En fait, Edouard Manargent, ce qui peut être rigolo, c'est de l'imaginer en film d'animation, l'allure que ça aurait. Ouais. Edouard, c'est clairement un personnage qu'on pourrait voir dans un dessin qu'on, animé. Qu'on aurait pu voir dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Ah oui, totalement. Ouais, ouais, avec ses grands yeux, ses cheveux tout ébouriffés, et puis forcément les ciseaux à la place des mains, c'est un personnage qui est totalement... C'est comme ça que Burton a posé son univers. Il l'avait déjà fait avec Beetlejuice, mais du coup Beetlejuice, on était dans la comédie. Ouais, là on est ouais. dans la poésie sombre en fait. Oui. Et avec après on aura du gothisme du coup, ouais. Et ça ira encore plus loin du coup avec Sleepy Hollow. Là on est sur une romance sombre oui, d'époque, voilà. Mais c'est vrai que je pense que Edouard aux mains d'argent, finalement c'est peut-être son personnage le plus proche de chacun de nous, parce qu'effectivement, il ne nous ressemble pas du tout en surface. À l'intérieur, il caractérise un peu tout ce qu'on peut ressentir quand on est un peu isolé ou quand on n'est pas dans le moule. Ouais, exactement. Et c'est un film qui fonctionne toujours aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais... À l'heure où tout le monde milite pour sa propre cause et tout, finalement, les gens n'ont jamais été plus mis dans des cases qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'Edouard aux mains d'argent, il a vraiment ce côté intemporel. Oui, totalement, totalement. Et c'est ça qui le rend beau et toujours actuel, justement, à l'heure d'aujourd'hui. Et justement, la dualité du fait qu'il ait des mains en forme de ciseaux, donc c'est-à-dire que ces ciseaux peuvent l'aider. Dans la vie, par exemple, en aidant des gens, comme on l'a dit, en taillant des buissons, ou alors en coupant des cheveux, etc. Mais en même temps, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent blesser. Ils peuvent blesser Edouard, qui a déjà des cicatrices à cause de ça, mais aussi blesser les gens qu'il aime ou qu'il apprécie. Et du coup, c'est à double tranchant, justement. L'adjectif est bien trouvé. Voilà, ouais. Merci. Et c'était pas travaillé. Non, mais c'est bien vu. Ouais. mais du coup, c'est ça qui rend le personnage encore plus attrayant. C'est la dualité de ce personnage. Et d'ailleurs, on le voit très bien le moment où il comprend qu'il a été dupé, que plus personne ne l'apprécie. J'adore cette scène pour en parler, il faut revenir au début où Peg accueille Edouard chez elle. Edouard est couvert de cuir. Il est habillé en cuir total. Et du coup, même pas s'il a une peau, Edouard. Pour moi, ouais, c'est son corps, en fait. Hein. C'est ça. C'est une armature, en fait. Exactement. Edouard n'est pas humain, donc. De toute façon. Donc, c'est son armature, exactement. Et du coup, elle lui donne des vêtements. Et pendant tout le film, quasiment, il va porter des vêtements, donc des petites chemises, voilà, un pantalon. Et dans cette scène où il est énervé par tout le monde, il découpe avec ses ciseaux. Tous ses vêtements, et il renaît en ce qu'il est vraiment. C'est ça. Et cette scène, elle est juste accompagnée par la sublime musique en plus de Danny Elfman. Elle est extraordinaire. Je pense que c'est peut-être une de mes images préférées du film. C'est cette libération totale de ces codes que cette nouvelle société lui a imposé pour revenir à son
son état brut, là où il était le plus heureux, en fait. C'était. Et oui, c'est le vrai lui, quoi. Voilà, le vrai lui. Et voilà. Et ça c'est peut-être. Ouais, c'est mon image préférée du film, je pense. Superbement mise en scène, d'ailleurs, avec ce long plan séquence dans la rue. Où il coupe ce qu'il a créé, par exemple, il avait coupé un buis qu'il avait taillé dans une certaine forme. Il coupe en ballerine, ouais, il coupe la jambe. Il coupe oui. La jambe. Et ouais, non, ça rend super bien à l'écran. Donc voilà. Alors, j'essaie de réfléchir à ce qu'on n'a pas encore dit sur le film. Toi, tu as des idées sur... Non, je pense qu'on a pas mal évoqué tout le film. Ouais, et ouais. Après, si on veut vraiment aller plus dans le fond, je pense qu'on en a pas mal fait le tour aussi. Ouais. Ce qu'il y a, oui. c'est ça. Je pense que quand on parle d'un film, quand on dit que c'est l'un des films les plus personnels de Tim Burton, c'est parce que le... il y a les deux grandes idées finalement qu'on retrouve dans beaucoup de films de Tim Burton, c'est les marginaux ouais. Et le cadre. Voilà. Il y a le cadre, le can, donc le cadre là c'est la banlieue, le quartier, et le marginal Edouard, et comment que ça se passe quand les les deux deux. Se rencontrent Ouais. et quand les deux sont un petit peu forcés de cohabiter, quoi. Ouais. Bah Et. ouais, oui, c'est. C'est tout ça qui va continuer à développer dans tous ces films futurs, mais dans celui-ci, c'est peut-être le début de enfin, et peut-être la manière la plus simple et pure de présenter Tim Burton, c'est peut-être ce film. Ah oui, c'est ça. C'est... Je pense que quand on veut découvrir le cinéma de Tim Burton, c'est l'un des films à regarder en premier, et ça tombe bien parce que ça fait partie de ses premiers films. Mais je pense Ouais. même qu'on peut essayer de le voir avant Beetlejuice, en fait. Ah oui, même moi, personnellement, Beetlejuice, j'aime bien le film, mais je trouve qu'il est plus dur à regarder que Edouard. Ah Actuellement, je veux dire. c'est complètement barré, Beetlejuice. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas. Enfin, si c'est familial et c'est divertissant, mais. Et puis c'est drôle. Ouais, c'est très drôle aussi. Mais je trouve que c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée, en tout cas. Faut pas commencer par Pee-wee, hein. Pee-wee, c'est hyper déstabilisant. Oui, c'est ça. Même, enfin, je l'ai pas vu, mais. Pee-wee, c'est très très bizarre. Déjà, le personnage de Pee-wee Herman est très chelou. Il me fait flipper, donc voilà. c'est un espèce de Mr. Bean, mais très pervers. Ouais, c'est ça. Enfin, à la base, c'est un personnage pour enfants à la télé américaine, les années 80, il me semble. Et du coup, il a fait le film de cette série télé de Pee-wee Herman. C'était son premier film, du coup. C'était une commande, hein, sûrement. C'est le premier. C'est un projet qu'on lui a confié. Parce que Tim Burton, c'est ça. C'est que Tim Burton a toujours fait des créations originales, et il a fait aussi des films commandes. De commande. Oui, il continue. Hein. Le dernier qu'il a fait, c'était Dumbo. Hein, donc, Dumbo, on espère Mais il est capable. Enfin, voilà. Quand l'univers lui parle, il démontre bien qu'il est capable de faire. Dumbo, Dumbo pour moi, extraordinaire. C'était très très bien. Hein. C'est peut-être sa meilleure commande, hein, je pense. Honnêtement. Bien plus qu'Alice, pour le coup. Ah oui, bien meilleur. Donc ouais, voilà. En tout cas, on vous conseille, si vous ne l'avez toujours pas vu, j'espère que vous n'avez pas attendu la fin de ce podcast, mais voilà, même si vous ne l'avez pas revu depuis longtemps, on espère vous avoir donné envie de regarder le film. C'est un film qui, honnêtement, s'apprécie, je pense, à plusieurs stades de notre vie. Moi, comme je l'ai vu il y a que 2 ans, donc bon, je l'ai vu qu'à un seul stade de ma vie, on va dire. J'ai pas évolué non plus énormément en 2 ans, surtout avec le confinement. mais voilà, je vous conseille, si vous l'avez pas vu depuis longtemps, de lui redonner un coup d'œil. En plus, il est pas très long. C'est pas un film et il passe. Enfin, comment dire, c'est un film où je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Le rythme est plutôt bien trouvé,
Et il y a toujours des nouvelles choses qui se passent dans le film pour nous tenir intéressés, que ce soit une scène dramatique ou une scène humoristique. Le mélange est vraiment bien fait. Et honnêtement, même pour les décors, pour tout, c'est un film à voir et à revoir. Et puis c'est un film, c'est presque un film d'étude un petit peu, Edouard aux mains d'argent. C'est quand on découvre la cinématographie de Tim Burton, c'est un film avec des codes très marqués. Donc c'est un et même j'ai même envie de dire quand on s'intéresse, si on est assez jeune et qu'on commence à s'intéresser au cinéma, qu'on se rend compte que des films c'est pas que de l'action sur un écran et qu'il y a des choses à voir en profondeur et tout ça, et qu'on commence à réaliser tout ça et que ça commence à nous intéresser, je pense que Edouard aux mains d'argent, ça fait partie de ces films qu'on peut regarder assez tôt, parce qu'il est justement il est assez marqué comme ça. Il a des thématiques assez simples qui sont mises en scène, qui sont bien mises en scène et puis qui sont facilement identifiables. Et je pense que c'est un. Je sais pas s'il est passé, je sais pas s'il est étudié dans les écoles de cinéma, mais moi je pense que c'est un film qui vaut le coup là-dessus en fait. Pour une, c'est une belle introduction à ce que. À ce qu'on peut faire avec le cinéma. Ouais, et ce qu'on peut faire d'un conte moderne, en fait. C'est tout simplement. Ça. Honnêtement, ouais, dans les contes modernes, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Ce qui s'est fait de mieux, même depuis. Hein, donc vraiment, c'est sûr que même pour les enfants, ou même voilà, pour tout âge, Edouard aux mains d'argent, c'est un film intéressant à regarder. C'est un peu comme Le Petit Prince, en livre, je veux dire. C'est un livre qu'on découvre quand on est petit, qu'on a une certaine lecture, et puis après, quand on grandit, on a une autre lecture dessus. C'est ça. Je trouve que... c'est vrai qu'Edouard, c'est un personnage qui tout de suite va nous... Ça va tout de suite nous... captiver. Ouais, c'est ça, parce qu'il est tellement singulier, et puis en grandissant, on se rend compte que c'est un personnage qui est très attachant, puis selon nos parcours de vie respectifs, auxquels on peut vraiment s'identifier, en fait. Moi, c'est le seul, pour l'anecdote, c'est le seul personnage de film avec lequel je me suis déguisé. Ah oui, ok, ouais. D'accord. On avait fait une fête entre amis, un réveillon du nouvel an. Et on s'était dit, bon, ce serait rigolo de le faire déguiser. Et il fallait se déguiser. Le thème, on avait dit, on se déguise en ce qu'on veut, mais il faut que ça soit avec la première lettre de notre prénom. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, voilà. C'est intéressant, ça. C'était nickel. Et j'avais commandé le costume. Et ah oui, parce que j'imagine qu'à fabriquer, c'est pas. Ouais. J'avais des ciseaux en mousse, mais bon, voilà. Non, en même temps, c'est moins dangereux. Hein. Non, parce que, sachant que. Juste une dernière anecdote sur le tournage, mais Johnny Depp s'est vraiment blessé. Ah bah oui, mais de toute façon, il y avait des vrais ciseaux, donc oui. Oui, donc fallait apprendre à les manier, etc. Et mais tiens, ça me fait penser, finalement, tu vois, on continue, mais on trouve des choses encore à dire sur le film. La scène en point de vue subjectif, justement, du dîner, je la trouve incroyablement moderne, en fait, dans sa manière d'être filmée, en fait. On voit juste les mains de Edouard, donc je sais pas si c'est Johnny Depp ou si c'est quelqu'un de l'équipe technique qui fait les mains, mais en tout cas on voit juste les mains, et puis on voit toutes les personnes différentes à table au dîner, et je la trouve super bien filmée, cette scène. Et c'est vrai, voilà, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. FPS, ouais, voilà exactement. FPS Edouard aux mains d'argent, ça serait sympa. Un jeu dans l'univers de Tim Burton, j'adorerais. C'est sûr que ce serait extraordinaire. Donc voilà, écoutez, on vous conseille encore énormément ce film, et puis on va se dire au revoir. Voilà, c'était une petite émission, mais c'est pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait. C'est ça, c'est parce cadeau. Que de toute façon, vous avez pas trop le temps d'écouter des podcasts pendant ces périodes, voilà. Podcast donc... digestif qui s'écoutera très bien le 1er janvier. Exactement. du coup, on va vous rappeler un petit peu toutes les actualités, etc. Même si,
Oui, je voulais dire, on avait prévu d'enregistrer un Movies Nerd hors série avec Morgane. Ça s'est malheureusement pas fait parce qu'on a eu plein de problèmes techniques sur le podcast. On n'avait pas envie de recommencer, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous avez eu un vide entre septembre et maintenant. C'est toujours avec Morgane. Ouais. Ah. Non, mais ça venait aussi de ma part. Hein, ça venait aussi de ma part. Donc voilà. C'est pas grave, hein, on en refera. Voilà, j'espère que. C'est sûr qu'en 2021, on n'a pas eu énormément de podcasts. Il y en a eu plus qu'en 2020. C'est sûr qu'on en a eu plus qu'en 2020. J'espère peut-être pouvoir recommencer. Alors, ça, je dis vraiment dans. Enfin, faut peut-être pas en tenir compte dans. C'est dans du six mois, ça n'a pas toujours été fait. Mais j'aimerais pouvoir recommencer les Movies Nerd numérotés. Avec un film du mois, etc. Puisque bon, les cinémas ont rouvert à peu près, et puis voilà, il y a toujours les films en SVOD, hein, il y a de plus c'est, en plus de films sûr, qui sortent. Mais en... bon, c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est sûr que c'est pas pareil. Donc voilà, c'est vraiment au conditionnel. J'aimerais pouvoir recommencer en 2022. Je ne vous donne pas de date, ça se trouve, ce sera en décembre 2022 et vous serez bien. Vous aurez été patient. Voilà, patient, merci beaucoup. Non, mais voilà. Non, il y aura d'autres, on a d'autres voilà, projets quand même. Déjà, on va essayer de justement de faire des focus parce que c'est ce qui prend un peu le moins de temps. De parler d'un seul film un peu plus en détail. Et puis c'est agréable à faire aussi. Hein, c'est, oui, oui, complètement. Donc voilà, et puis aussi d'autres hors-série saga. Pour retrouver tout ça, vous pouvez aller sur le site moviesnerd.net où il y a des critiques. D'ailleurs, tu en as fait une récemment, Eddy. Oui. Sur Dune, je crois. Sur Dune, ouais. Et SOS Fantôme. Voilà. Exact, mais oui, c'est vrai. Voilà. SOS Fantôme. Voilà. Donc, allez lire ça. Et vous pouvez aller voir SOS Phantom, c'était très sympa. Ok. C'était pas du tout surprenant, mais c'était très sympa. J'imagine. Ça a pas l'air d'être un film très surprenant, d'après ce que t'en disais aussi. Donc voilà, vous pouvez aller lire ça et retrouver nos émissions passées, soit sur le site, soit sur. Les plateformes de podcasting, donc on est à peu près dispo partout. Apple Podcast, j'allais dire iTunes qui est devenu Apple Podcast du coup. voilà. PodCloud, il y a aussi Spotify, Deezer. Spotify ont rajouté un système de notation des podcasts comme sur Apple Podcast. Donc si vous pouvez aller nous mettre 5 étoiles plus un petit commentaire, ce serait sympathique. On apprécierait beaucoup. Je crois, oui, PodCloud, etc. J'ai dit. Ensuite, vous pouvez nous contacter par mail, c'est contact@moviesnerd.net. Pour les réseaux sociaux, on est sur Instagram, MoviesNerd officiel. Sur Twitter, c'est Movies_Nerd. Et sur Facebook, c'est MoviesNerd tout court. Voilà, ça, c'est quand on l'a pas fait depuis longtemps, sans souvenir, même si on l'a dit plusieurs fois, c'est compliqué. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Steam aussi, et sur Movies Nerd, c'est Essence Critique, TheLexal, TheLexal. Voilà. Eddy. Moi, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, sur Sens Critique, c'est. Alors, sur Twitter, c'est Istarkosaurus. Sur Instagram, je crois que c'est ça aussi. Sur Sens Critique, c'est Istark. Ouais. Puis sur Movies Nerd, évidemment. Après, ouais, voilà. Les bases, quoi. Voilà, exactement. Et sur YouTube, c'est toujours Istark. Istark Play 4. Ouais. Je sais plus. Quand on a trop de comptes, on connaît plus. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, les liens sont dans l'article de ce podcast. Donc, si vous avez un lien à retrouver. Et puis, du coup, on vous souhaite un beau réveillon du 31. Si cette émission sort avant. Sinon, on vous souhaite une bonne année si cette émission sort après. Et puis, faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Faites attention sur la route aussi. Oui. Si vous allez quelque part, le 31 ou le 1er. Et du coup, voilà, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!